Yo, salutations mes humains, c'est OP. Oui, on se retrouve pour l'équipe de France. Ce soir, c'était le grand début de nos Bleus dans cette compétition de l'Euro 2024 face à l'Autriche. Première mi-temps plutôt satisfaisante, deuxième mi-temps un peu plus dans le dur, mais on va revenir là-dessus. Il y avait de la sueur, il y avait du sang, des nez cassés, des têtes coupées. Oh là 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 là, des coups en voiture, en voilà. Très compliqué ce soir pour nos Bleus qui se sont fait bousculer. Les Autrichiens, ils voulaient en découdre. Hein. Bref, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement, on met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Le débrief Autriche, équipe de France. Déjà 4-3-3, Didier Deschamps avec McMaignan dans les cages. Une charnière centrale, Upamecano, Saliba. Théo Hernandez à gauche, Jules Koundé à droite qui a mis ses crampons ce soir et pas ses chaussures à talons. Un milieu de terrain, Kanté, mais à coup de pas, Kanté. Il était en Arabie Saoudite, j'ai dit, ah, le niveau, ah non, oh, oh. Mais à coup de pas, le niveau ce soir. Oh là 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 là, N'Golo, mouah, magnifique. Rabiot Griezmann pour l'accompagner dans ce milieu de terrain. Et l'attaque, Ousmane Dembélé à droite. À gauche, Marcus Thuram et dans l'axe Mbappé qui n'a pas fait un match, même si le but vient de lui. Hein, mais bon, on va détailler tout ça. Coup d'envoi pour les Autrichiens qui tout de suite d'emblée ont été très haut chercher les Français. Oui, ils ont été agressifs au pressing tout de suite. Mais les Français, c'est très propre dans les ressorties de balles. Notamment N'Golo Kanté, Rabiot qui, moi, m'ont régalé au milieu de terrain ce soir. Bref. Deux équipes très bien en place, gros pressing des rouges comme je viens de te le dire, mais au bout de 5 minutes, la France va récupérer le ballon, va mettre le pied sur le ballon, et là on va complètement dominer cette première période. On va se montrer nous les plus dangereux, eux malheureusement on va les sevrer de ballon, ils n'arrivent pas à alimenter leur attaquant, et c'est très bien comme ça. Gros travail au milieu de terrain de Rabiot, je reviens dessus, incroyable, que ce soit en phase offensive, défensive. Le mec, il a tout fait, N'Golo Kanté, je t'en parle même pas, c'est la classe internationale. Je le redis, oui, c'est vrai, je pensais qu'il n'allait pas avoir le coffre nécessaire, même si c'est N'Golo Kanté. Hein, mais à coup de pas, ce soir, super, le côté gauche, magnifique ce côté gauche, avec Théo Hernandez qui a énormément travaillé. Ce soit aussi pareil, en phase offensive, défensive, Théo Hernandez qui a porté la balle, qui a porté le danger en attaque. Moi, j'ai beaucoup aimé ce côté gauche. La France, comme je te l'ai dit, ressort proprement le ballon. Aucun danger. Griezmann, encore une fois, ce métronome hein, qui temporise le jeu tantôt à droite, tantôt à gauche dans l'axe. Bref, on fait tourner la balle. La France domine largement, mais on n'arrive pas à trouver. On n'arrive pas à trouver, et eh oui, le but qui va commencer à nous lancer dans le match. Même si on est bien, même si ça joue, on épuise l'adversaire. Les Autrichiens, malheureusement, ils essayent, mais eux, ils étaient dans un combat d'MMA ce soir. Eux, ils voulaient en découdre, je le redis encore une fois, ils voulaient la bagarre. Et ça punchait, ça donnait des coups, Danzo, etc. Oh là 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 là. Danzo, ce soir, hein, pépère, il y allait. Hein. Quand t'es à Lens, c'était pas comme ça. Hein. Là, t'étais très agressif ce soir. Hein. Mais pas que. Bref, on ne trouvait pas la faille. Mais tout ça va changer. Hein. Alors, beaucoup de déchets, encore une fois, Ousmane Dembélé. Saliba, oh Saliba, c'est propre techniquement, c'est solide ou pas Mécano. J'ai beaucoup aimé la charnière centrale ce soir. Des Bleus. Bref, 38e minute. Kylian Mbappé. Eh, Kylian, franchement, ce soir... Pour moi, Kylian, ce soir, il a fait beaucoup de mal aussi à Marcus Thuram. Parce qu'il venait dans sa zone, il revenait dans l'axe et puis il retournait à gauche. Et c'est vrai que Marcus Thuram, malheureusement, un petit peu transparent. Il a eu parfois des fulgurances, mais... C'était pas flamboyant, les gars. Bref, 38e minute, il va y avoir une percée de Kylian qui récupère un ballon sur Ousmane, je crois. Et là, il accélère, il centre fort dans la surface adverse. Cafouillage, hein, il y a une tête de l'adversaire et qui la met contre son camp. CSC à la 38e minute. 1-0 pour l'équipe de France. En tout cas, cette première période dominatrice pour les Bleus.
Les Autrichiens n'ont pratiquement pas vu la balle, ne se sont pas montrés dangereux. MacMaignan, les peu de fois où il a été alerté, a fait le boulot. Sur cette première période, rien à dire, c'est propre. Seconde période, coup d'envoi pour les Français. Et là, c'est un petit peu plus... c'est un peu plus... Je vais pas dire catastrophique, mais... On est un peu moins dedans. On n'est plus trop dans la partie. L'Autriche ne fait que des fautes, encore une fois. Mbappé, à un moment donné, il a le 2-0 dans les pattes. Oh là, Mbappé, frérot. Face à face, comme ça, il le rate. C'est de la faute du PSG. C'est une blague, les gars. En tout cas, il rate le 2-0. La France subit un peu plus, hein, clairement. La France subit un peu plus. On voit quand même que les deux équipes, sur cette deuxième période, est coupée en deux. Hein, t'as l'attaque et t'as le reste derrière. Pareil pour l'Autriche. Donc, c'est un peu plus compliqué. La défense autrichienne aussi, très fébrile. N'arrivait pas à garder le ballon. On avait l'occasion et les opportunités pour les tuer dans le match. Mais on n'a pas su faire. En tout cas, on a poussé pour mettre le deuxième. On n'y arrivait pas. Kanté, encore une fois. Oh là là, Kanté qui récupérait toutes les bêtises de ses petits camarades. Franchement, c'est incroyable. Grosse défense de l'Autriche. Ouais, franchement, l'Autriche costaud hein, sur cette deuxième période. Hein. La France avait du mal à sortir du pressing aussi. On avait beaucoup de mal à sortir du pressing. Et là, va y avoir, bien évidemment, hein, les fautes sur Griezmann qui va s'ouvrir le crâne. Et là, Kylian Mbappé qui va vouloir sauter à un moment donné pour mettre la tête. Qui, au lieu de la tête, va mettre un coup sur l'épaule à Danzo. Et là, mon pote, je crois que le nez, il est cassé. Hein. Je ne sais pas. Hein. On verra bien hein, ce que va dire le staff médical de l'équipe de France. Mais j'avais l'impression quand même que le nez était légèrement décalé. Hein. Tu avais un côté qui voulait aller à la gare du Nord et l'autre à Saint-Michel. Hein. Donc voilà. Bref, en tout cas, 1-0. On débute cet Euro 2024 sur un petit score, sur une petite victoire. Il n'y a même pas eu de but dans le jeu. Ouais. C'est un CSC quand même, en tout cas, les tops et les flops, les gars. Alors moi, au niveau des tops, ils sont 4. Théo Hernandez, qui a été très bon à gauche. Kanté, j'ai rien à dire. Saliba, j'ai rien à dire. Et l'autre aussi au milieu de terrain qui a fait énormément de bien, c'est Rabiot. Alors tu vas me dire, ouais, mais t'as pas mis Griezmann. J'ai pas mis Griezmann parce que Griezmann, même s'il a... Comme je te l'ai dit, temporisé, il a fait un peu le maestro, tu vois, le maître de cérémonie au milieu. Il n'a pas été si impactant ça dans le jeu. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux te dire par rapport à Rabiot et Kanté. Donc, c'est pour ça que je les mets dans les tops. Et les flops, ah bah, je suis désolé. Hein. C'est la triplette en attaque, frérot. Marcus, j'en attendais un peu plus. Alors, Marcus, c'est un flop malgré lui. Parce que c'est Mbappé qui l'a éclipsé toute la partie. Mbappé, encore une fois, bah, je suis désolé, même si le but vient de lui, je le mets dans les flops parce que capitaine, premier match de l'équipe de France, j'en attends beaucoup plus. Et le face-à-face, non, c'est inadmissible, frérot, tu peux pas rater ça. Et puis Ousmane, ouais, Ousmane, bah, malheureusement, pareil, trop de déchets. J'aurais aimé un peu plus de lui, tu vois. Je pense qu'il y avait de la place, il aurait pu apporter autre chose, mais bon, voilà. Ousmane, dans les flops. Après, c'est pas grave, les gars, c'est que le premier match. Mais bon, voilà, mes joueurs préférés, mes joueurs moins bien. Dans ce match, il y a eu aussi, bien évidemment, hein, des joueurs qui sont rentrés, des joueurs qui sont sortis. On a eu Dembouz pour Colomwani. Plaisir de voir Colomwani sur le terrain. Rabiot pour Kamavinga. Kamavinga qui rentre. Ensuite, Grisou qui va sortir. Forcément, il a beaucoup donné pour Fofana. Et Giroud à la fin qui va remplacer Mbappé. Et encore une fois, Kylian Mbappé qui fait des choses qu'aucun footballeur ne fait. Poteau, pourquoi tu rentres sur le terrain? T'as le nez cassé, t'es en sang. Reste sur le côté, mon frère. Je comprends pas, il n'y a que lui au monde qui fait des bails comme as. Et après, il va s'étonner que tout le monde dit « Ouais, melon, grosse tête. » Ah non. Bref, la note du match. Vous allez me dire ce que vous avez pensé du match, comment vous sentez l'équipe de France. Est-ce qu'il y avait possibilité? Est-ce que c'est nul? Est-ce que c'est bien? Bref, tu me dis tout dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner, partage, like. Et bien évidemment, on se retrouve pour une prochaine vidéo, soit pour l'actualité du Paris Saint-Germain, puisque encore une fois, c'est une chaîne 100% PSG, mais je m'octroie le fait de pouvoir parler de l'équipe de France sur la chaîne. Bien évidemment, les Français, on parle de l'équipe de France, les gars. Eh oui,
Et on s'attrape aussi pour parler de nos bleus pour les prochains matchs. Prenez soin de vous et je vous souhaite une excellente soirée. Ciao! Nique sa mère, les foodics, c'est l'utesse que j'incarne. Paris capitale et la Ligue capitule. On voit toute ton équipe face à Navas, c'est ridicule.